Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai eu beaucoup de commentaires concernant mes propos sur le président Touadéra. Il y a des gens qui ont dit que j'étais trop dur, je ne comprenais pas la diplomatie, c'est pas la politique. Ok, très bien. Moi, je suis libre. Moi, je ne suis pas attaché à quelqu'un. Je ne fais pas de vidéos pour plaire à qui que ce soit. Je fais des vidéos pour informer la jeunesse africaine parce qu'elle a besoin de ça. Parce qu'ils sont pervertis par France 24, RFI, les autres. Donc nous, on est obligés d'apporter l'alternance pour leur faire comprendre les enjeux, ce qui se passe exactement. Quand Touadéra se lève, convoqué par Emmanuel Macron, et part à Paris, il est en train de renforcer Emmanuel Macron, politiquement parlant, sur la scène internationale. Je vais vous dire une chose. Pour que la France puisse avoir le droit de veto aux Nations Unies, elle a utilisé les pays africains, ses colonies. Elle dit, voilà, moi j'ai toutes ces colonies-là. La monnaie qu'ils utilisent, c'est ma monnaie. Tout ce qu'ils font, vous ne pouvez pas commercer avec eux sans passer par moi. Je contrôle tout ce qui rentre en Afrique et tout ce qui sort d'Afrique. C'est comme ça qu'elle a pu avoir le droit de veto. Le Mali a humilié la France, a détruit la France, a ramené la France à son plus petit commun multiple, à sa place exacte de petite puissance, de petit pays, de pays pauvre. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards de dollars. L'Afrique est endettée à tout le continent africain, 54 États, à hauteur de 800 millions de dollars. Elle est à 3 000 milliards. Nous, on n'est même pas à 1 milliard. Et vous vous rendez compte? Nous, on n'est même pas, on a même pas la moitié de la dette de la France. Donc, la France est plus pauvre que nous. Si vous prenez seulement les diamants du Centrafrique, c'est plus que ce que la France, l'économie, le PIB de la France. Seulement le diamant. Mais il y a aussi l'or, il y a même le pétrole, il y a l'uranium, il y a tout. Donc, le Centrafrique est plus riche que la France. Maintenant, comment ils arrivent à nous avoir avec le chantage? Ils utilisent un simple chantage. On vous fait croire que non. Oh, vous n'avez pas vos économies là. Ça, vous ne pouvez pas avoir une monnaie parce que si vous avez une monnaie, ça. Et nos pays ne font que tomber. J'ai dit, je répète encore. Je suis d'accord avec le professeur Agbou qu'il faut sortir de du CFA. Et ce CFA là, on n'a pas besoin de l'adosser aux devises étrangères. On doit faire comme le Zimbabwe, l'adosser à l'or. Voilà ce qu'il faut. Et nous pouvons utiliser notre planche à billets pour acheter et pour vendre avec nos propres monnaies, parce que c'est garanti par l'or. Donc, Touadéra, parce que la Banque mondiale, le FMI ne donne pas de l'argent, c'est un problème. Mais ce n'est pas la France qui va débloquer la situation. La France elle-même n'a pas d'argent. La France n'a pas d'argent. Si elle est endettée à 3 000, c'est un pays en faillite. La France est un pays en faillite. Vous voyez? Donc, quand le président Touadéra quitte le Centrafrique pour venir en France, sous prétexte que c'est un complexé. Il n'y a rien à faire, c'est un complexé. Et il ne comprend pas la géopolitique. La diplomatie, la science politique, ce n'est pas les mathématiques. En mathématiques, 1 plus 1, ça donne 2. 2 plus 2, ça donne 4. Encore. Il y a des grands mathématiciens qui peuvent vous démontrer que non, ce n'est pas le bon résultat. Ce n'est pas pareil en diplomatie. Ce n'est pas pareil en politique. Maintenant, il y a quelque chose de plus important que je ne vous ai pas dit dans ma dernière vidéo.
Vous savez comment on a tué Kadhafi? Et pourquoi on l'a tué? Kadhafi a, pour l'avoir là, les Américains sont devenus d'abord le désarmer. Tout l'arsenal nucléaire de Kadhafi là, il avait donné ça aux Américains. Parce qu'on lui avait garanti, non, maintenant nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes, oh, vous êtes le meilleur président, vous allez rester là à vie. Voilà. Un tout petit. Kadhafi avait de bonnes relations avec la Russie. Quand les Américains prennent l'arsenal nucléaire, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? On invite Kadhafi, on le convoque à Paris. Il est venu en grande pompe, on a vu, il a mis son château là. Et pour lui, il se disait, oh la France, la belle France. Quelques mois plus tard, cette même France est allée bombarder son pays et le tuer. Au point où aujourd'hui, là, la Libye, c'est le chaos total. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à récupérer, tout est par terre. C'est ce que toi, Dérave, attends. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il va recevoir comme cadeau. Parce que la France-Afrique ne pardonne pas. Quand vous dites non, 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 c'est la diplomatie. Vous savez, on doit parler avec tous les pays. À peine, même pas un an, même pas 2 ans. À peine. Tu te rends compte que vous êtes réconciliés. Mais ça, c'est des choses qui viennent après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous croyez que le Mali ne parlera jamais avec la France? Le Mali parlera avec la France. Mais il faut attendre au moins même 20 ans, 30 ans. Vous n'êtes pas. Pourquoi vous êtes pressé? C'est parce qu'il y a un complexe. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas la France avec toi, et il y a un autre aspect de problème que je dois vous soulever. C'est que quand le Touadéra est le grand ami de Kagame. Est très proche de Kagame. Kagame, c'est un génocidaire. Kagame, je dis, c'est un génocidaire. Donc, si Touadéra le côtoie, forcément, il doit l'amener dans les mêmes choses. C'est-à-dire que, dis-moi qui tu fréquentes, je vais dire qui tu es. Tu peux pas avoir des bonnes relations avec un génocidaire et penser que toi, tu resteras toujours parfait. Non. Ce que Touadéra a fait là, c'est ce qu'on appelle faire le lèche-cul, se rabaisser, parce qu'il est complexé. Oui. Bientôt, là, ça va être le tour de Tshisekedi. La même chose. Il va aller aussi en France, convoquer. Et plus ils font ça, plus ils donnent à la France un certain pouvoir, une certaine autorité. Même les gens qui, les pays qui les soutiennent, s'inquiètent, se disent, mais comment nous, on va coopérer avec ces gens-là? On essaie de faire des efforts. L'investissement, là, c'est pas. Vous voyez Traoré? Vous avez vu Traoré en France? Mais regardez les merveilles qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Je dis bien des merveilles. Vous êtes fiers de l'avoir comme président. Lui, Touadéra qui avait commencé avant, oublie que ce n'est pas. Il sait très bien qu'il est en train d'échouer là. Ces gens ne vont pas le développer. S'il voulait le développement, l'aide au développement, là, ça n'a jamais développé un seul pays africain. L'aide au développement. Vous avez vu, en 2011, on a annulé toutes les dettes. 1 an, 2 ans plus tard, tous les pays sont encore endettés. Mais regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire endettée à combien? 35 milliards. Et voilà. Non, il n'y a aucune justification au monde qui peut. Expliquer comment un chef d'État qui est monté si haut descend aussi si bas. Il y a des gens qui sont des fans de Touadéra, qui ne peuvent pas dire la vérité à Touadéra, qui ne peuvent pas contredire Touadéra. Tous, pour eux, Touadéra, c'est comme un dieu. Non. Même Assimi Goïta, nous l'avons critiqué. Traoré, là, au début, là, il faisait des erreurs. On a parlé, et puis il a compris, et il est en train de suivre la direction. Et le peuple le soutient. Touadéra fait comme si lui, il était plus intelligent que tout ce peuple-là. Les gens ont vomi la France. Toi, tu veux reprendre encore ce vomi à manger. Vous avez déjà vu des choses comme ça?
Tu l'as chassé, tu as chassé la France parce que la France a détruit ton pays. Maintenant que tu vois que tu commences à, les choses sont en train de s'éclaircir un peu, toi tu repars encore à l'appeler. Non, tu peux revenir, tu sais, oh non, toi, c'est la coopération, viens investir. Mais il va venir investir pour te dégorger encore bien. Il ne faut pas blesser un animal. On ne blesse pas un animal. On le neutralise. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.